Massa, Daf Kuf, Bet Amud Bet. Douzième chapitre, Masechet Shabbat, page 102b. Nous sommes à quatre lignes de la fin. Ba'amine, Shukur et les Fouad Korhole Amou Israël Bichlalam. Rabbi David Nissim Asulim Baraisha, Ishmael Ben Liba, Ishaq Ben Esther, Mordechai Ben Sarah Cohen, Sophie Ophi Batlea, Alexandra Esther. Aussi pour ma mère, chez l'achana de ma mère, Luna Bat Abraham Cohen. Attends une minute. Mais... Sylvia Batsimi Simha et Noemi Eva Batluna. Et Luna Ishmat. Luna Bat Abraham Cohen. Luna bat Abraham Cohen, Shiniftarai bet Olama, Kayom Azé. Kayom Azé. Tov. Merci. Amine. Rav Nathan bar Oshaya, Rabbi Yohanan. Rav Nathan bar Oshaya a posé la question dans Bet HaMidrash à Rabbi Yohanan. Mais sa tête, Mishumai Mehayev. Mais sa tête, nous avons dit, c'est ce qui est carré et qui taille la pierre pour lui donner, n'est-ce pas, pour que le mur soit égal, lisse. Mishumai Mehayev. On a déjà vu qu'il y avait Mahloket Rav ou Shmuel. Rav il a dit, mais sa tête, Mishum, bonnet. Bonnet, Shmuel, Machiav et Patish. Dans Eretz Israël, Talmud, Yerushalmi, on a posé la même question, on l'a posé à qui, au maître du Talmud Yerushalmi. Le maître, c'était Rabbi Yohanan. Son disciple, Rabbi Nathan Bar Oshaya. Mishum Mai Mehayev le met sa tête. C'est quoi? Je répète encore. Hier, j'ai dit, j'ai expliqué, lorsque on voit quelqu'un qui est en train de faire un travail qui est interdit, on doit l'avertir que c'est interdit. On doit faire appel à lui et de lui faire comprendre comme quoi c'est interdit. Il faut dire, le monde, c'est ça, au nom de quoi on l'avertit, quel est le Avmelacha. Quel est le Avmelacha Mishum? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ahvele bide. Mishum makebe patish. Rabbi Yohanan n'a pas répondu. Il lui a montré par un geste, avec ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Il a donné un coup dans sa main pour lui dire, c'est ça, make. Mais Patish, c'est il frappe, il donne un coup final. Comme Shmuel. Badaï. Alors, la question est la suivante. Veha Anan.
Nan, nous avons dit dans la Mishnah, lu dans la Mishnah, regardez la Mishnah en haut. Abonné, Hamsatet, Vehamake, Bepatish. Si on cite dans la Mishnah, mais sa tête est maquée bépatiche, ça signifie quoi? Deux mélachot séparés. Ce sont deux mélachot différentes. Mais sa tête est différente de maquée bépatiche. La preuve, c'est qu'on dit ha, ve, ha. Ve, ha. Ve, ha. Alors, il lui a dit Emma. Lise dans la Mishnah comme ça. Rabbi Yochanan lui dit, corrige. Lise dans la Mishnah, am sa tête, am maké be patish. Am sa tête, c'est celui qui est maké be patish. Ça veut dire que c'est l'explication maké be patish et l'explication de am sa tête. Celui qui donne le dernier coup. Oui. Donc, la Gemara continue Tashma. On passe à la page Kouf Gimel Amud Aleph, la page 103. Ah. Tashma, viens écouter. Akodeyah kochehu hayav. On a dit que ça veut dire kodeyah. Percé. Percé. Akodeyah kochehu hayav. Alors, on peut comprendre que kodeyah, si je laisse le trou ouvert, c'est pour aérer. Si je fais un trou pour l'utilisation, n'est-ce pas, c'est pour accrocher quelque chose. Alors, on dit à Kodeya, celui qui perce. Et quand on fait un trou pour l'aération, on dit un Nokev. Un Nokev, celui qui trouve, qui perce pour faire un trou. Donc, Kodea, c'est Kodea, et Nokev, c'est Nokev. Kodea, c'est pour faire un trou que je vais utiliser. On utilise le trou. Nokev, c'est rien que faire le trou. Comme le trou d'aération qu'on a fait pour le poulailler, ça c'est Nokev. C'est ça. Dans le loul, on a vu ici. Asaneke Beloul. Nekev, voilà. Tashma. Oui ou percé. Pour, vous voyez, c'est une leçon de précision. Chaque parole est mesurée. Il faut savoir de quoi on parle. Akodeya Kocheu. Hayab, celui qui perce Kocheu, il est Hayab. Hayab quoi? Korban. Hayab Korban Hatat. Kocheu Korban Hatat, si c'est Beshogek. Il dit Bisham al-Rab, Mihle, Keman de Har, Khurta, de Binyana. Il dit, Bishlama, ou Rav qui nous a dit que Akodeya c'est et Hanokev c'est Mishum Bonnet, parce que Mihze, il donne l'impression Mihze, c'est-à-dire il montre. On dirait. Ken,
Keman de Harhurta le Binyana. Il fait un trou pour la construction. Quelqu'un qui fait un trou pour la construction. La construction. Et là, l'Ishmoël. Qui dit que c'est Makel Bepatish. L'Ishmoël. L'Avgmar Melachahu. L'Onakav. Le Ken. À moins qu'il soit Nokev, il est. Pas tout. Il sert pour le Melacha, celui qui est Kodea, il fait un Nekev, n'est-ce pas? On a dit ici, Mishum Boné. Mishum Boné parce qu'il a une utilisation. Et le Makev et Patish, c'est quoi? C'est la fin d'un travail. Ce Amelacha, à quoi il sert? Est-ce qu'il sert pour nous dire, voilà ce que je fais? Nous sommes pour dire voilà ce que j'ai fait, j'ai terminé. Donc celui qui est codé à Hantrou, il montre qu'il veut faire un travail de bonnet de binyan. Mais si il veut nous dire que nos kèves, faire un trou, c'est makébé patish, les mains rasées. Alors il lui dit. C'est pas Gmar Melacha. Alors il lui dit, Bema Askinan. Regardez un petit peu, il lui dit, écoutez, de quoi on parle? On parle des Bazae, Beramtsa, des Parzela. Il a pris un clou en fer. Un clou en fer. Et il a fait un trou. Et quand il a fait le trou, il a laissé le clou à l'intérieur. Ça veut dire le clou, il va servir pour accrocher quelque chose. Est-ce que c'est un travail final? Oui. Un travail final. Quand il tape, c'est Makébé Patish. En même temps qu'il a fait le trou, il a fini le travail. Et la Gemara, Rabbi, la Gemara, elle est métaretzet Shmuel. Oui, oui. Et Shmuel, il a parlé d'un Nekev, pas de faire un trou et mettre un clou. On pose la question sur le Nekev, un trou qui doit être ouvert de deux côtés et pas rempli avec un clou. Ce trou, il l'a comblé. Avec quoi il l'a comblé? Avec l'instrument, le clou qui a servi. Alors, pourquoi il a appelé Nekev et pas Kron? Quand on a parlé du... C'est le même trou qu'il a fait pour le poulailler? C'est pas le même. Ok, alors c'est un autre cas. Alors, pourquoi on pose la question sur Shmuel? Alors, Shmuel, il lui dit justement... Si ça avait été dans le loul. Nekev. Alors, c'est quoi? C'est Nekev. C'est Mishum Makev Patish ou Bonnet? Makev Patish. Makev Patish, on... ben... Pour Shmuel. Ouais, pour Shmuel. Pour Shmuel, c'est Makev Patish. Et pour Rav, c'est Bonnet. Bonnet, c'est ça. Dans le loul. Je sais. Mais selon ce tirout. Les deux seraient bonnets. Ah non, de l'autre. Voilà. Lui dit Achabema Askinan, quand j'ai posé la question à Shmuel, je lui ai dit, quand tu fais un trou, c'est bonnet. Je peux comprendre, Mahzik est bonnet. Et là, Makébé Patish, où est le travail final? C'est ça. Il lui a dit, j'ai pas fait un trou là-bas. Ça va servir pour autre chose. Pour accrocher, donc c'est un Gmar Melacha. Alors il lui dit, Achabé Maaskinan, je te donne une forme pour te dire que c'est, il perce, il fait un trou, mais il fait un trou bon, final. Bon. Oui. Donc Shmuel, il tient son idée de Makeb Patish. Ben oui. C'est un cas limite.
Nokev qui est en même temps Makev et Patish. Mais si tu vas là-bas dans le Loul, oui. Il va rejoindre Rav. Parce que la Kushia est une Kushia importante. Mais parce qu'elle met en question ce qu'il a dit avant. Oui. Zéa Miss Aïmian. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'exemple du clou. Je peux t'apporter le scénario qui donne que Nokev, c'est en même temps Makev. Makev et Patish. Top. Mishavke Begave, de Hainouk Marmelacha. Il a laissé le clou à l'intérieur du trou. Et quand il l'a fait, il a été Makebe Patish, parce que c'est Gmar Melacha. Y a-t-il des questions là? Non, je n'ai pas lu les Harot, mais c'est une demi-page. Ça veut dire que c'est une grande question. Ça. Il y a eu beaucoup de chélotes sur ce Nian-là. Il t'explique ici. Le Mahalach. De la Gemara, la démarche de la Gemara, on comprend la remise en question de Shmuel à propos de Nokev comme Loul, que ce n'est pas du tout Makev et Patish. C'est ça la question. Alors, quand on lui dit quel Makev et Patish il y a, il a donné cet exemple-là. Avec le clou. Alors, le fait qu'il donne cet exemple, ça veut dire que tous nos kèves, s'ils pourraient être d'accord avec ce nos kèves à Loul, de Rav. Rav. Alors, les notes étaient à Rot. Non, non, c'est trop long, Rabbi. Non, ils amènent Rashi et d'autres Gmarot et le grain. Ça va peut-être compliquer trop. Ça va? Oui, Eric. Hello, excusez-moi. Le clou, quand il a mis, on dit il a laissé le clou. Est-ce qu'il a laissé le clou avec la Mahashava? De l'utiliser pour accrocher quelque chose ou bien il a oublié le clou? Non, 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 il n'a pas oublié, il a laissé. Il a laissé pour ça. Dans le but de le servir pour suspendre. Magnifique, c'est Binyan et c'est Makebe Patish. Comment? C'est Binyan et Makebe Patish. Dans la logique, on voit les deux. Oui, quand il finit. Le travail, il a fini. Mais le trou, quand il le fait, c'est pas finir le travail. C'est construire. Pour autre chose. Pour servir à autre chose. Makebe Patish, c'est après ça, tu n'as aucune intervention à faire. Mais ici, on peut faire une autre intervention. Avec le clou, on peut le rentrer encore plus. Et alors, ouais, mais ça change pas le. Ça change non, c'est pas le coup. C'est pas le dernier coup. Ça va, mais il accroche quand même le dessus à la fin. Mais quand tu l'as planté, tu as donné le dernier coup. C'est ça ce que tu voulais. S'il... Alors pourquoi ils disent dernier coup? On devrait dire le marché va le travail fini. C'est ça. C'est ce qu'ils voulaient, c'est l'intention. Oui, c'est la même chose. Quand il a enlevé le marteau, ça veut dire qu'il a fini le travail. À partir du moment où il a donné le dernier coup, il a fini. Parce que si... Il était Nokev, il a pris le clou pour faire le Nekev.
Puis après, il l'a enlevé. C'est marqué le bépatiche classique de Shmuel. Ce n'est plus marqué le bépatiche. Il a fait un trou, il a fait un trou dans le mur. Ça veut dire bonnet. Mais Shmuel, il aurait dit marqué le bépatiche sur ça. Où? Ben, s'il a fait juste un trou dans le mur. Il n'a pas besoin de le dire, c'est un Gmar Melacha. Non. Si Shmuel, il fait, d'après sa svara, un trou dans le mur, il utilise un clou ou n'importe quoi pour faire un nekev, on revient à la même idée du poulailler, du loul. Mais il n'a pas fait le trou, il est en cette. Quand est-ce qu'on va dire qu'il y a un nekev? Quand on va les rattraper. Enlever le clou. Quand il enlève le clou, il y a un nekev. Ok. Ça va? Oui. L'air qui passe à travers. Alors, quand il a donné le dernier coup, est-ce que c'est le coup final? Pour non. Lui, c'est le coup final? Non. C'est le fait d'arracher le clou qui est le final. Exact. Alors, où est Makébé Patish? Il n'y a pas, c'est bonnet. Alors, je suis obligé de te dire qu'il a donné, qu'il a percé avec un clou, il a laissé le clou. Là-bas. C'est ça, voilà. Bataille, encore une autre fois, vous ne pouvez pas battre la logique de la Gemara. C'est qu'elle le dit la Gemara, derrière nous Gemar Melacha. Derrière nous Gemar Melacha. Il laisse le clou là-bas. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'air qui passe. C'est-à-dire le dernier coup a servi pour finaliser ce qu'il devait faire. C'est ça, Makébé Patish. Si tu reviens à la discussion d'en haut, oui. Et à la question que la Gemara a posée tout à l'heure, où est Makébé Patish quand tu fais un trou? Il n'y a pas. Quand tu le retires. Bonnet. Ouais, bon. C'est un clan. Je rappelle, quand la Mishnah donne des exemples, des cas de figure, puis après elles disent un clal. Généralement, on donne un clal et puis on l'illustre avec des exemples. Qu'est-ce qu'on dit quand il y a prat ou clal? Il est pas donné d'accord avec la prat. En baklal et la mâché baklal. Ça veut dire que dans le klal, tu ne peux avoir que ce qui est semblable au prat. Tu ne peux pas du tout avoir un autre cas qui ne ressemble pas. Donc, il y a quelque chose qui va être exclu. Voilà. Ça va? Alors, quand la Mishnah a donné tout, puis après elle disait Haklal, Haklal, c'est pour t'ajouter quelque chose que nous n'avons pas cité dans la Mishnah. Alors, la question de la Gemara est les Atouyemai, c'est pour inclure quoi? Quand tu as dit Haklal, c'est qu'il y a un cas que je n'ai pas cité dans la Mishnah et qu'il faut le citer parce qu'il ressemble au cas de la Mishnah. Yatou et Maï. Alors il dit Yatou et Dahak Kfiza Bekaba. Alors,
J'ai vu Rashi, j'ai vu Rabbeinu Hananel. Il y a une différence de interprétation, seulement d'interprétation, de compréhension. Pour Rashi, Dahak, Kfiza Bekaba. Il a pris la matière. Un cube, Kaba. Ken. Et cette matière, ce golem, il pouvait faire une mesure qu'on appelle Kav. Il peut faire un Kav avec. Kav égal à 4 logim. Mais il n'a fait que 3 logim. C'est-à-dire, il a fait moins que ce pourquoi cette matière était prévue. Disons, soit l'argile, soit un métal. Et ce métal devait servir pour confectionner un cave. Cave, c'est une mesure de liquide. Ou, 4 logs. Ça va. Un log, c'est à peu près une canette de coke. 300 millilitres. 355. 330 millilitres. Un log, c'est shabetim, c'est-à-dire si la betza est 56. À peu près 44-45. Multiplié par 6, ça fait combien? À peu près 300, 270. 270, ouais. Il y a ceux qui disent 44 et 56. 50, ça fait 300 à peu près. Voilà. Ça fait une canette de coke. Une canette de coke, ça fait 355 millilitres exactement. Ça dépend des canettes. C'est bon, on n'a pas besoin de... Ah, là oui. L'idée. Donc, le cave... Ces 4 logim, il en a fait une mesure pour 3 logim. Est-ce qu'il est bonnet ou pas bonnet? Il est bonnet. Il est bonnet. Même que la matière était prévue pour faire un cave, il s'est arrêté à moins qu'un cave. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été bonnet, il a été bonnet. Il est bonnet, il peut compléter. Ça, c'est Rashi. Rabbeinu Hananel, il dit, c'est quoi? Dahak kfiza bekaba. Il a déjà le cave. Mais dans le cave, il a fait des traits de mesure. Il a marqué. C'est ça, un marque. C'est pas des entailles. Log. Ça, c'est un log. Ça, c'est 2 logs. Ça, c'est 3 logs. Et ça, c'est 4 logs. Dahak kfiza. C'est-à-dire, il a fait un trait. Un trait, il a creusé un trait pour marquer des mesures dans ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout un nouveau Kelly. Juste, il marque des mesures. Il a introduit des mesures là-dedans à l'intérieur. Dans un clé existant qui contient les 4 logins, tout le câble. Voilà. Ok. Ah, ça change. Et là, Rabbi, est-ce qu'on doit dire les hacks ou quand il a marqué comment la hack? La hack. Dahak, c'est-à-dire il a pressé. Et c'est pas hakak, c'est pas de... Il n'y a pas hakak. Dahak, hak. Dahak. Dahak. Oui, ça marche. Le début de la Mishnah, il dit que c'est
Dans Bonnier, c'est Kol Shehu. Ici, on a donné des exemples. Il n'y a pas Kol Shehu. Le minimum, minimum. Ici, oui. Nous avons le cas. Rabbi Nochanan El Shalom, il a donné ça. Donné les deux. Oui. Est-ce que la vision de Rabbi Nochanan El, c'est le fait que s'il n'avait pas complété les quatre kavim, il avait l'intention de faire un appareil de mesure, il ne l'a pas fait, alors la Hamlacha n'est pas complète pour cette raison? Non. Ça veut dire qu'il avait un keli qui était parfait. S'il a tout fini. Mais comme dans la Maïmé, il a voulu introduire des mesures. Et tu vas dire, ce n'est pas un binyan. Tu as ajouté quelque chose sur quelque chose qui est banoui. Tu n'as rien fait. Je lui ai dit, non, c'est fait. C'est encore chez vous. Tandis que Rachid, il a dit, c'est un keli qui n'a pas été fait complètement. Il a arrêté avant. Ça veut dire qu'il peut faire n'importe quel keli. Et quoi chez vous, c'est un binyan. Il est passible de bonnet, mais pas Gmar Melacha, parce qu'il n'a pas complété les arba alugim. Voilà. Est-ce qu'il y a des harot? Non, il n'y a pas des harot. Là-dedans, on est parti, on a pris le large. On dit en arabe, la fuite en avant, c'est faire preuve de courage. L'arba ftisha, c'est la bravoure. Ce n'est pas de la bravoure. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, on est prêt à... Parce que si je prends la suite, ça va prendre un peu plus que 2 minutes. Dans la compréhension de Rashi, il a dit, il peut le faire plus tard pour compléter son travail, alors il est Gmar Melacha lui aussi. Il n'a pas fini le kav. Mais il va le faire plus tard. Et tu vas dire, voilà, il n'a pas fait. C'est bonnet. L'Arabie, comment vous avez complété la phrase le Herba Ptisha? La suite, c'est quoi? Rzla. Rzla. Ça veut dire c'est ça fait le courage. Tu as fait preuve de courage. Tu prends le courage. Merci. Merci, Rabbeinu. Et voilà, on apprend même des proverbes arabes. j'ai toujours écrit vos proverbes. Je n'ai pas mes proverbes. Pas ce que vous nous rappelez. Je fais un travail de perroquet. Il y en avait un que je vais vous rappeler maintenant. Okay. Vous avez dit, le mari et la femme, quand ils parlent, si le mari dit... il pousse un soupir et il dit et la femme non. Attends. La femme elle plante. Voilà, la femme elle plante. Elle plante des laitues. Oui. Et le mari il plante des concombres. Alors on a rebondi. Le mari, n'est-ce pas? La femme dit khass. C'est la laitue. Oui. Et le mari il dit khyar. C'est des bonnes. Oh.
Moi, j'avais compris autrement, Rabbi. Je croyais que Chess voulait dire, on manque. Il y a quelque chose qui manque. La femme, elle se plaint toujours. Mais non. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle dit qu'il manque. Mais oui. Mais il manque. Il manque quoi? Il manque de l'argent? Il manque quoi? N'importe. Il manque n'importe quoi. Il manque. Tu as apporté un marché extraordinaire. Oui. Et il y a un petit détail que tu as oublié. Le radis. Non, la menthe. La menthe. Ton parolame. Alors, il te dit que je suis sur le marché que tu m'as amené. Tu es incapable d'amener une menthe. C'est pareil, tu fais tout le ménage et puis il y a un petit détail qui n'a pas été fait. Lui, il dit le khir. Non, c'est pour ça que à Pessah, pourquoi Moz le Khassa? Parce qu'on dit khsad, yuksad, yuksad. Après ça, tout manque. Khsad, yuksad, yuksad. Voilà. Allez. Merci. Merci, monsieur le rabbin. Bonsoir, Rabbi Saba. Jérôme est en France. Ah, c'est pour ça. Ah, blabash.